Eh bien, salut tout le monde, c'est Redmond. Donc, je vous retrouve pour ce quatrième épisode sur notre Let's Play sur Resident Evil Village. Enfin, je me rends compte que je dis 8, mais il s'appelle plus Village, mais je l'appelle le 8, je préfère. Parce que même s'il n'y a pas le 8 dans le titre, pour forcément, c'est le 8. Et donc, sur le niveau de la dernière fois, un épisode assez mouvementé. Du coup, on avait fait la découverte des trois boss, Mère Miranda, Heisenberg, et. Enfin, Mère Miranda qui est le dernier boss, je pense. Et comment elle s'appelle déjà? Ah, c'est bah, celle qui s'occupe de ce lieu là. J'ai plus le nom. Bon, la grande femme, vous savez, qu'on verra d'ailleurs. J'ai plus son nom. Il n'y a pas un truc où c'est écrit. Je sais pas, non. Ah si, attendez, cette pièce. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça commence bien. Oh putain, mais il est là, Comme nous lui. nous retrouvons. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. C'est vrai. Voilà. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Voilà, donc Lady Dimitrescu, du coup, qui, comme il l'a dit, en fait, un peu la chef de, tout simplement, de ce château. On a pu notamment voir ses trois filles. Alors, je sais pas, j'ai pas retenu le prénom de ses trois filles. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Ouais, enfin, avec 3 000, je vais pas aller loin, quoi. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Alors, il y a peut-être des références également ne à faites pas Resident. Attention à moi. Ah, oh, chien, yes. À Resident Evil 4, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que déjà, il y est dans Resident Evil 4. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Et du coup, je crois qu'il y a une. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Je crois qu'il y a des phrases célèbres qui disent etc. Bref, après, je m'étale pas trop parce que je connais pas forcément. Chargeur pour une capacité. Alors, attendez. Avec 9000. Ouais. Alors, attendez. Une pompe. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je vais. Ouais, j'ai peut-être plus utilisé celui-là, ouais. Cadence de tir, peut-être également. Et maintenant, je suis pauvre. Je peux modifier toutes sortes d'... À la prochaine fois. Attends, mais. Le château m'intrigue. Ah. Ah non, d'accord. Alors. Labyrinthe de Nostre. Je sais pas comment le prononcer. Artisan de la fin du 21e siècle. 20e siècle, ça commence bien. Non, je sais pas trop quoi. Il fut qualifié d'hérétique, puis banni de sa patrie. Il ira longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes. Le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Yesai. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les 4 labyrinthes renferment les ossements... Oh, il est chiant! Les ossements humains paraient de cristaux différents, de différentes couleurs. On compte que ces ossements sont ceux des 4 fans qu'a aimé Nostre. J'arrive pas à le prononcer, j'ai laissé tomber. D'accord. Donc là, s'il faut, c'est une femme, enfin c'est une des femmes qui l'a aimé l'autre. Je crois qu'à mon avis, c'est l'un des. Enfin, le château même, c'est l'un des labyrinthes, à mon avis. Non, de toute façon. Donc là pour ouvrir j'imagine qu'il faut mettre les têtes. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, comme j'ai dit, Heisenberg, Lady Dimitrescu et Mère Maria, voilà. Ça c'était dans la démo je crois. Si je dis pas de conneries. Alors déjà. Ok. J'évite un peu trop de métallé parce que sinon je me connais, je vais aller par. Je vais vouloir aller partout. Ouais. Oh, joli feu de cheminée.
Ouais, ah si, il y a la fameuse tasse là. Genre là, on se dit oh, tout va bien, c'est une simple tasse. Pas du tout, il y a du sang. C'est des putains de vampires, merde. Enfin, c'est bête que pour le couteau, déjà, il faut une place. C'est ça que je trouve bête. Même dans le set. Parce que déjà, ça occupe une place un peu en trop. Et puis en plus, t'es obligé de sélectionner à chaque fois ton couteau. Donc c'est un peu chiant. Alors, je sais pas parce que alors, comme bien évidemment toujours selon les deux mots, je vais aller voir quand même, je vais jeter un oeil. Ah, ça a changé. Alors, je vous dirai pourquoi après. Fluide chimique, ok. Une bouteille spéciale ornée de fleurs. Ok, d'accord. Écoutez, je pensais que c'était ici, donc à mon avis la suite. Ah, attendez, par là. Ici, il y a quoi? Ah, voilà, c'est la pièce que je cherchais. Que je cherchais. Hop. Et donc, du coup, voilà, ça désactive la porte. Et ça, du coup, c'était dans la démo. C'est comme ça que je sais. À mon avis, c'est la suite. Je vais juste voir du coup s'il y avait cette porte. Et à mon avis c'est la suite, je vais aller en bas après. C'est ouah, c'est immense hein. N'empêche, pas mal de zones à fouiller. Là c'est son bourré ou pas? Ok. Et c'est la fin après. Du coup je vais essayer d'aller en bas voir ce qu'il y a. Parce qu'à mon avis c'est la suite par là. C'est déjà un peu plus fluide au niveau aussi de la, je dis de la caméra. Mais je trouve que déjà, ouais, c'est même au niveau de. Je trouve qu'Ethan va beaucoup plus vite par rapport au 1. En même temps, après. Ah, d'accord, c'est de là où je viens. En même temps, après. On est beaucoup moins dans un. Enfin. T'es vraiment enfermé dans une maison dans le 7, alors que là, c'est vraiment immense, quoi. Ah, je reviens ici, d'accord, ça fait un tour. Ah, je suis pas passé par là par hasard. Ah non, ça fait un tour là, ok. J'ai pas regardé si c'était ouvert ici. Enfin, si on pouvait ouvrir ici. Ok, bah du coup, ouais. La suite est là-haut. Mais d'accord, ça fait un tour. Ok, j'avais pas. Je savais pas. Bien fait de regarder, du coup, au moins je sais maintenant que ça fait un tour. Et non, du coup, hop, ouais, non. Ah putain. Les ornettes continuent. Ah putain la vache! Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer le mort ou vie, tu préfères quoi? Oh, je ne peux plus me retenir. Je sais faire quoi? Non? Bon bah elle est partie manifestement. Toujours la machine. Joue encore avec moi. Ah oui, pardon, oui. Vite! Comme cette porte, Jackson. Je vais faire quoi? Non, je vais pas solutionner. Oui. Ah, putain. Mais quoi? Ah merde. Je sais pas où aller, mais non. Ça me tord. Qu'est-ce que ça fait? Parce que j'ai pas l'impression en plus que je puisse me tirer là. Non. Là. Pas un truc à faire. Ah là, putain, d'accord. Vite, vite, vite. Je suis passé vachement vite devant, évidemment. Oh merde. Ok, vite. Allez, on prend quand même une petite tournée. Attendez. Il n'y a plus la musique. 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château, aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elle ne mordait pas. C'est
pour le moins étrange, tu m'étonnes. 23 juin 1958. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un appert et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Yes, super ambiance. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans le couloir. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958, je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement, m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. On a une victime du coup de ces putains de sœurs. Elle me suit pas, j'ai l'impression. La musique s'est arrêtée. Là, on est dans les sous-sols. Petite musique sympa. Donc voilà. Alors, il y avait. Il me semble que dans la démo, ça me dit quelque chose parce que normalement, on pouvait passer. J'aime bien la musique. Attendez, il n'y a pas le petit truc là. Non. Sympathique comme tout. C'est pas le Didi Dimitrescu là? Elle a un vin dans la main, est-ce que ce serait pas... Putain, ça va être chiant de passer les portes, hein, pour elle. Est-ce que ce serait pas le vin où on doit... qu'on doit poser dans la salle spéciale où il y a du vin? Du vin. On va pas se mentir, c'est plutôt du sang plutôt qu'autre chose. Hein. C'est ce que je me demande. Attendez, il y a un truc à prendre là-bas. J'ai pas vu. Pistolet, oh yes. Je vais mettre là du coup. Ce closet. Bah on va continuer de descendre. Là, hop. Tac. Alors si, ça je crois savoir. Je crois qu'il faut faire tac. Je dis pas de conneries. Hein. Ok. Donc, c'est normal. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, ok. Et ça, j'avais vu ça aussi dans la démo. Merde, j'ai pas vu le lore. Merde, j'ai regardé en fait. J'ai une sorte d'armée qui s'affronte. Parce que le lore, enfin l'histoire, moi je vais la comprendre. Oula. Ah putain, d'accord. C'est automatique la lumière. Je tiens à préciser, c'est pas moi qui l'ai. Donc pour activer. J'ai l'impression qu'on a des sortes de cachots. Ça va, y'a personne qui a fait ses besoins là-dedans. Oh, super objet de torture. Taker. L'ambiance est délétère. Putain la vache, ça pue la torture à 10 000 km ici. Y'a pas quelqu'un qui a nourri une cellule là? J'avoue que je suis pas très rassuré. Fuck. C'est du sang noir. Ok. Je fouille un peu tout. Ah. Irina, appétit vorace. Mihaela, appétit vorace. Loïs, appétit vorace. Ingrid, instable, reprend parfois conscience. Instable, reprend parfois conscience. D'accord. Ça part sur de la torture. Deux. Oh. J'aime pas du tout ça. J'entends comme si quelqu'un a pièce détachée. Comme si quelqu'un était en train de traîner une arme de la muerte. Et tout simplement me découper en petites rondelles. Quoi, il y a un combat? Et d'accord là. Oh putain!
Ok, on va se les faire. Ils m'ont fait ultra peur. Ils sont. Allez, viens là. Viens là. C'est quoi? Ils sont trop bien. Putain, mais... Ils sont combien, wesh? Ah, attendez, j'ai une bombe tuyau, non? Ok. Il nous reste encore. Ah, putain. Oh la vache. Ah, je me suis chié dessus. Oh, il y a un petit chemin là, non? Ah, je me suis littéralement chié dessus là. Putain la vache. Moi qui suis vraiment en mode explo là. Les filles qui sont un peu derrière moi. Ok, il en reste un. Nice. Ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen que... Ok. Hop. Non, j'ai pas forcément besoin de l'île. Il n'y a rien. Ah, putain la vache. C'est peut-être assez court mais intense. Il y a toujours ce logo là, je comprends jamais. C'est verrouillé. Ici il y a quoi? C'est moi qui veux tout explorer, putain. En plus j'ai entendu et tout ça, je les ai vu passer. Ah d'accord, c'est par la pression. Je les ai vu passer, je me suis dit ouais bon. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Attendez, il y a une caisse là. Je joue la caisse. Le sang est plus sucré. On le fait jamais. Une fois. Attends, deux secondes. Bon, deux secondes, je récupère la caisse là et puis je me barre. Je cours, tu vois. Il me faut du sang. Chaud, humide. Du sang bien rouge. Attends, 30 secondes. Voilà, je suis en train de faire. Quel supplice préfères-tu? Je préfère ne pas décéder en fait. Allez. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Je me barre. Putain, il est déjà là. Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Oh, on l'a fauté? Ah non, viens, viens! Je ne ressens aucune douleur! Pas comme ça! Ah la pute! Oh, petit insolent! Oh, allez là! J'arrive pas à y croire! Abandonne! Enlève tes mains! Attends, je te tue. Voilà. Oh, putain la vache! Bon, c'était vraiment un boss, c'était un semi-boss. Quand même. Évidemment, c'est des vampires, donc bon. Et de une. Plus que trois. Sans compter les 10 minutes, ce coup. Hein? Ah, c'est le fameux 20. Ah, si, j'ai raison. Enfin, le 20. Le 100, plutôt.
Ok, là on va pouvoir débloquer du coup la porte. Ah. De la thune, ça peut être good ça. J'ai bien fait d'améliorer mon arme parce qu'en général c'est elle que j'utilise. Regardez là, je sais plus qu'à. Ah bah ça va en vrai. Toi je pensais être beaucoup plus bas avec le pompe. Enfin, pompe. Je sais pas comment tu t'appelles ça. Oh, du piano. Et dire que j'en pouvais pas en jouer la dernière fois. De quoi? Attends, j'ai pas compris. Élément modifier une arme dans l'inventaire. Comment je fais? Ah, je merde. Ah. Oh, d'accord. Ok. Je sais pas à quoi ça. J'ai pas fait attention à quoi ça. Qu'est-ce que ça ajoutait, bref. Oh, oh. Ça me pique lui. Je vais crocheter ça hein, parce que. Là. Tac. Passe partout. Petit succès qu'on est. Oh, j'en bois. D'accord. Je suis arrivé où moi? Manifestement, je peux pas aller ici. Ah d'accord, je sais où on est. Enfin, je vois où on est, je pense. Voilà, on est ici. Et donc, l'enjambeau, attendez, je peux pas le mettre sur la. Ah non, d'accord, je. D'accord. J'ai pas fait attention, j'ai crâne. Non. Collier d'Ingrid. Collier d'Ingrid utilisé pour chasser les mauvais esprits. Objet de valeur. D'accord. Bah écoutez, hop. Si. Tu vois, si j'ai assez de thunes pour du coup m'acheter nouvelles améliorations. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Bienvenue. Alors, possible. Alors du coup. Ah non, toujours pas, je suis à 3000. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Mais écoutez, on va se vendre. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Hop. Merde. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Paf. Puissance. Même si celui-là. Capacité. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Merde, c'est ce que je voulais faire. Ah merde. Ah, j'ai plus. Assez. C'est quoi ça? Ça devient un objet à acheter. C'est quoi? Formule cartouche de fusil. Ah si, c'est. Désolé, mais je ne pratique aucune réduction. Je peux acheter un désinfectant. Merci. Non, j'ai plus assez. J'ai plus assez pour rien du tout. Mais écoutez les amis, bonne journée. C'est ici pour cet épisode de 4, si je dis pas de bêtises. Un épisode encore rempli d'action, putain la vache, mais ces épisodes sont vraiment incroyables. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. À lâcher les pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis nous du coup on se retrouve pour l'épisode 5, qui a l'air vraiment incroyable. Portez-vous bien, ciao ciao.